Field report. After a slight diversion out on the ocean, I've arrived on site at the Japanese facility. Time to see what horrors Division 9 have cooked up. Hey, salut tout le monde, c'est Blutzkaman. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Black Ops 3 en mode zombie. Ça fait plaisir. C'est le mec, à chaque fois, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je voulais vous proposer. Putain, le mec, quoi, ferme ta gueule. Je voulais vous proposer un mode zombie depuis quelques semaines maintenant. Et donc voilà, on se retrouve sur Zetsubou no Shima. Alors avant, là je vais vous laisser le gameplay entier, donc je vais voir jusqu'à quel moment je vais aller. Mon record c'est 37 et je suis mort à cause d'un bug que je vous expliquerai tout au long de la vidéo. Parce que j'ai eu pas mal de bugs sur cette carte. Donc j'espère que j'en aurai pas là. Donc je vous explique un peu le truc. Là je vais vous laisser le gameplay entier parce qu'il est 2h du matin et que j'ai pas réellement le temps de vous faire un montage de port sur une vidéo qui va sûrement durer plus d'une heure, on va voir. Et donc, pour les prochains zombies, est-ce que vous préférez que je vous laisse le gameplay entier, en sachant que peut-être qu'il y aura des zombies qui dureront 2h, je ne sais pas. Moi perso j'aime bien regarder des vidéos de genre 2h en zombies par exemple. Mais je sais que si genre c'est le soir ou c'est comme ça, je vais m'endormir devant, je reprendrai genre sûrement la prochaine fois ou truc comme ça. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Et bref. Ou alors je vous propose un gameplay condensé où en fait je laisse la plus grosse partie du gameplay forcément, parce que voilà, on est là pour le zombie. Mais je vous enlève toutes les parties un peu chiantes où je fais des allers-retours. Par exemple sur Zetsubou no Shima, il y a pas mal d'allers-retours à faire, genre entre aller chercher l'eau pour aller allumer le courant, etc. Enfin il y a plein de choses comme ça où je montre en fait les actions, mais juste je cut les passages où je vais d'un endroit à un autre quand je vais chercher un atout. Enfin voilà, vous avez compris un peu le principe. Donc vous me direz dans les commentaires si vous préférez que je laisse le gameplay entier ou si je le laisse comme tel. Enfin, ou si je fais des cuts, pardon. Hop, j'y vais. Bah cool. Donc voilà, petit gameplay en mode zombie tranquillement. Donc je vais vous expliquer un petit peu le bug que j'ai eu parce que voilà, c'était assez affolant. C'est vrai que cette map est quand même plutôt buggée. J'en avais parlé la première fois dans ma vidéo. Il y a eu pas mal de gens aussi qui ont dit que la map était codée comme de la merde. Donc je sais pas si c'est réellement vrai ou si c'est vraiment vrai. Enfin, je sais pas si la map a été codée un peu comme de la merde, mais c'est vrai que genre il y a des gros bugs de texture. Il y a des fois, moi souvent ça m'arrive, les atouts sont invisibles. C'est à dire qu'en gros bah ils sont là, on peut les prendre mais ils sont invisibles. Donc en fait au début bah je connaissais pas les emplacements des atouts et donc c'était un peu bizarre. En fait il y a la fumée, parce que vous savez il y a une espèce de fumée qui se dégage des atouts. Et bah là la fumée était là mais pas l'atout. Bref, j'ai des bugs comme ça, les araignées qui spawnent mais qu'en fait elles sont aussi invisibles. Donc j'ai des trucs qui me tirent dessus mais on les voit pas. Je sais pas si ça va arriver dans cette vidéo mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Plein de choses comme ça. J'ai même eu des bugs de portes comme si je les avais déjà ouvertes alors qu'en fait non, pas du tout. Genre par exemple c'est comme si là il y avait plus les lianes, comme si j'avais ouvert la porte alors qu'en fait si je l'ai pas ouverte. Vous voyez, enfin plein de choses comme ça, des bugs de texture finalement. Et j'ai eu un bug aussi où en fait quand je joue en mode zombie, bah je joue toujours en solo parce que j'ai la flemme de m'occuper des autres gens tout simplement. Non mais on connaît tous des potes qui veulent faire des zombies des fois mais qui... J'ai un niveau de merde en zombie mais j'ai vraiment des potes, c'est vraiment ignoble. Et donc du coup c'est pour ça que je joue tout le temps en solo. Donc aucune raison que je lag ou quoi que ce soit. Et j'ai eu des rollbacks. Alors en fait comme quand vous êtes en multi, vous avez une connexion de merde. Vous savez des fois ça vous TP, enfin ça vous faites TP. Et là ça m'est arrivé la même chose, sauf que là c'était réellement des rollbacks. Parce que en fait je vous explique. J'avais ouvert ici, là-bas, et vous savez après il y a une espèce de petite allée qui vous fait descendre vers le bunker là-bas, enfin l'espèce de truc qui est en hauteur là. Et donc en fait j'étais dans cette allée là et je venais de mourir. Et donc du coup je suis putain, faut que je prenne un quick revive. Et en fait j'avais pas pensé mais j'étais passé devant. Donc qu'est-ce que je fais? Bah je reviens sur mes pas, en sachant que j'avais déjà eu des TP auparavant. Je fais bon, c'est pas très grave. Voilà, genre ça m'est arrivé au moins 3-4 fois dans la game, hein, sans déconner, c'était ignoble. Et en fait, donc je retourne sur mes pas. Et je fais putain, en fait, il y avait au moins une quinzaine de zombies qui me suivaient à la trace. Je fais bon, c'est pas grave, j'irai plus tard. Et en fait, je suis reparti,
je devais avoir devancé les zombies devant, etc. Oui, je devais réellement avoir devancé les zombies de 15 ou 5 mètres. Enfin, 15 ou 20 mètres au moins. Voilà, c'est approximatif, on est sur un jeu, tu vois. Et je me TP littéralement dans la horde de zombies qui était derrière moi. Et je suis mort comme ça. Mais je vous jure, et j'ai voulu récupérer la. Simplement la vidéo en mode studio, parce que maintenant il y a un mode studio pour les zombies et la vidéo n'apparaissait pas du coup. Donc ça, je sais pas aussi pourquoi il y a des fois des. Enfin, je sais pas pourquoi le truc n'apparaît pas. Bref. Et j'ai eu un autre bug, vous savez, il y a les espèces de gros mutants là, les zombies évolués. Et donc il y en avait un qui me suivait un peu. Et il y avait des zombies derrière, mais les zombies ne pouvaient pas me toucher vu qu'ils étaient derrière le mutant, et le mutant allait beaucoup trop vite parce que je lui avais mis déjà des balles. Et le truc m'a littéralement one shot, c'est à dire qu'en fait, enfin, vous savez, des fois vous faites putain, je me suis fait one shot, mais c'est parce que genre un zombie vous a mis genre une baffe ultra rapide, enfin deux baffes ultra rapidement, genre en limite deux baffes akimbo, ou alors il y avait deux zombies qui vous ont mis une baffe chacun, bref. Et là, le monstre, et c'est arrivé à d'autres, notamment à des streamers, je crois, et le monstre m'a. Ouais, m'a foutu une de ses paf dans la gueule et ça m'a one shot. Donc je suis mort aussi à cause de ça. Encore en fait, j'étais manche 37. Donc c'était mon record hein, et j'allais le battre, mais à l'aise. Enfin, non, quand le monstre m'a buté, j'étais pas manche 37. C'était un autre record que j'allais battre. Du coup, que j'ai battu par la suite, mais c'était pas 37. Même si je sais qu'il y a des mecs qui ont fait des manches 150 et tout ça. Manche 37, c'est rien. On va peut-être essayer de le battre dans cette vidéo. Parce que réellement, à chaque fois que je suis mort. Putain, mais quel connard, c'est quoi ce bordel? Je pouvais faire carrément plus. Mais il y a eu un bug qui m'a fait que. Voilà, et donc je sais pas pour vous qui avez Black Ops 3 si ça vous est déjà arrivé des choses comme ça en zombie. Oh merde. Oh my god. Ce que j'ai fait c'était grave si. Hop, oh, en fait j'ai masse point. On est manche 7 là déjà. La Sheva elle est bien mais que dans la tête quoi. Donc du coup voici mes aventures en zombie. Et ouais, donc c'est vrai que ça ça m'a un peu refroidi quoi. Hop, la boîte est là, on va se faire juste une petite boîte histoire de tomber sur un petit maker, un truc bien sympa. Bon, voilà. Et non mais. Oh là 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 là. Donc voilà, en fait j'étais. Non, alors attendez. Je vais vous expliquer où exactement ça s'est passé, comme ça vous aurez mes. Attends, on va buter le zombie qui court, ce qui me fait les couilles. Donc, ici il y a un atout. Il est où? Il est là, donc c'est tour de passe-passe. J'étais ici, donc il y avait Quick Revive. Je venais de là. Donc j'étais bien avancé quand même, je vais être manche. Peut-être 28, je crois. Et donc je venais de mourir, donc j'ai fait un tour de map, je récupérais les atouts, tout ça. Et je passe comme un connard devant Quick Revive. Et en fait, arrivé à cet endroit-là, je fais. Putain, j'ai oublié Quick Revive, je reviens. Et donc par là où il y a le zombie, il y avait une quinzaine de zombies. J'ai bon, pas trop tard. J'ai même pas eu le temps de me faire toucher. J'arrive ici, je fais un jump et genre je fais une glissade. Et je me TP ici. Et là je meurs. Parce que il y a des zombies tout autour de moi. Et ça m'a rendu mais juste mais ouf. Parce que en fait je crois que ça vient du fait que. Vous savez, il y a l'espèce de slide en zombie, la chose que je suis en train de faire, qui vous permet d'aller 30% plus vite, si je dis pas de bêtises. Qui vous permet d'aller vraiment vraiment plus vite simplement et j'ai l'impression que sur cette map quand tu le fais à des endroits et que tu jumps, mais en fait ça te fait vraiment arriver super vite à des endroits où tu devrais pas aller aussi vite. Par exemple, imaginons là je fais une glissade et là j'arrive, imaginons ici, ultra vite, et j'ai l'impression en fait que le jeu genre il te TP parce que pour le jeu genre c'est comme si t'avais cheaté ou je sais pas comment dire en fait, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Et à chaque fois j'ai l'impression, là ça m'arrive plus trop souvent, mais j'ai l'impression que quand je me TP c'est à cause des slides. Donc peut-être que c'est un. Peut-être que de base c'est comme le G-slide ou des choses comme ça, c'est des choses qui n'étaient pas prévues par le jeu et qui peut-être t'amènent des bugs. Mais en tout cas, genre les rollbacks que j'ai eu, c'est comme si genre en multi quoi, comme quand t'as une connexion de merde et que tu tapes des gros rollbacks, c'est la même chose que j'ai eu. Et. Bah c'est ignoble. C'est ignoble. Donc voilà. C'était ma petite histoire. Hop, voilà. Hop, pardon, excusez-moi.
J'ai tiré comme un connard sur mes écouteurs, donc du coup ils sont barrés. Hop, on a allumé le courant, c'est bon. Ensuite, on fera le pack à punch et on s'arrêtera là. Hein. Je fais pas de secret ou quoi que ce soit. Je suis pas trop secret moi de base. Donc, le seul secret que j'ai tenté de faire, c'était celui d'AW sur la dernière map. Je sais même plus comment elle s'appelait. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Ah, oh, bah ça a même pas tué le dernier zombie. Ah, bah non, c'était lui le dernier zombie, quel connard. C'était Ascent, je crois la map elle s'appelait. Et bref, donc on essayait ça avec un pote. Et à chaque fois, on n'arrivait pas à finir la dernière étape. Qui était, je crois, enfin l'une des dernières étapes avant de faire le petit boss là. Étape pour ceux qui ont fait le secret. Au comptoir, il y a des lumières, tout ça. Enfin, c'était super chiant. Et à chaque fois on se failait à cette étape là. Mais ouais, sinon moi je suis pas trop secret de base. En fait, enfin, je trouve ça sympa vraiment à regarder ceux qui font les secrets, etc. Mais genre à faire, je trouve ça tellement chiant. C'est pour ça que je les fais pas en fait. Hop. Je suis toujours avec mon arc à 5 là. Casse un peu les couilles, hein. Oh putain, mais ça aussi c'est chiant quoi. Bon, nice. On va se diriger proche du masto. Hop, du courant plutôt. Et j'adore cette map parce que. Bah, déjà c'est la jungle quoi, donc. Ça rappelle un peu Black Ops 1, tout ça. Ça rappelle Shinonuma aussi, forcément. Bon, pas trop quand même, hein, mais voilà, il y a des petits airs de Shinonuma. Oh putain, il y a vraiment un monstre, c'est ce que je pensais. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est le dernier zombie et forcément il va plus vite. Non, c'est pas le dernier. Ah voilà. Bon, allez, on va faire le courant. Tac. Et c'est vrai que, enfin, en fait, il y a pas mal de choses à faire qui sont assez faciles du coup. Mais quoi? C'est la première fois que j'ai un méchant comme ça dans l'eau. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y avait un boss comme ça dans l'eau? C'est la première fois que ça m'arrive ça. Recharge. C'est vrai, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à, par exemple, Derezendrar qui pourtant bah, sur le papier me plairait plus parce que château nazi tout ça là. Je sais pas si c'est réellement un château nazi mais ça fait vraiment penser à Wolfenstein la map. Ouais, ça a plus de chances de me faire plus kiffer. Mais c'est vrai que je la trouve un peu moins. Un peu chelou en fait, la map, un peu trop chiante, je trouve. Beaucoup moins adaptée. Ah, du mode zombie. Hop. On va prendre l'ICR. C'est chiant, il donne pas de points. Hop. Ah, nice, il a drop la pièce. Voilà. Oh, faut deux. Hop. C'est le dernier zombie. Ok. Voilà, et on va faire la dernière étape. Comme ça, on aura fait le pack à punch. Non, mais c'est vrai que le mode zombie de Black Ops 3, j'ai tendance à le préférer à celui de Black Ops 1. World at War, j'ai pas joué au mode zombie malheureusement, même si c'est le premier code que j'ai fait, j'ai pas joué au mode zombie. Pour la bonne et simple raison qu'il fallait finir la campagne et qu'en fait, bah, je la faisais tout le temps en coop. En fait, le problème de la campagne, c'est que je la faisais tout le temps en coop et que bah, je l'ai jamais fini parce qu'en coop, on pouvait pas sauvegarder. Et donc on n'avait jamais fait la campagne bah, d'une traite quoi, comme par exemple celle que j'avais fait celle de Ghost en une soirée, ça avait pris genre peut-être
Peut-être 4-5 heures, peut-être à la finir, celle de Ghost, que j'avais bien aimé d'ailleurs. Et ouais, celle de World at War, je l'ai jamais fini. Donc c'est pour ça que j'ai jamais pu jouer au mode zombie, mais j'adore le mode zombie de Black Ops 1, c'est mon préféré, même celui de Black Ops 2, j'avais pas autant aimé. Parce que pour la simple et bonne raison que j'étais pas trop secret, tout ça. J'étais pas trop en mode, il faut faire telle étape pour allumer le courant, truc comme ça. Chose qu'on a dans Black Ops 3 et je m'y suis fait en fait finalement. C'est vrai qu'à l'époque, bah, j'avais moins de recul sur le zombie. Pour moi, genre mon but c'était vraiment de faire des manches, m'en battre un peu les couilles des secrets, tout ça. C'était vraiment de faire des records de manches. Et c'est vrai que les secrets, je m'y avais intéressé, enfin je m'y suis intéressé sur Advanced Warfare. Et au final, j'ai pas retenté l'expérience sur BO3 parce que c'est pas quelque chose qui. Je sais que beaucoup de gens aiment ça. J'aime bien regarder des gens qui font les secrets, tout ça, mais c'est pas quelque chose que j'aime faire. Parce que je trouve ça chiant et long. Et donc, c'est vrai que le zombie de Black Ops 3, bah, je le kiffe vraiment. Réellement, genre. Vu que tu peux améliorer tes armes, etc. Enfin, il y a pas mal de choses en fait à faire. Il y a pas mal de nouveautés, les bonbons, l'amélioration, enfin le bonus qu'on a en améliorant deux fois, etc. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui font que j'adore le mode zombie de Black Ops 3. Donc, il me tarde de voir la dernière map. Ça, c'est clair et net. Attends, parce que c'est le dernier ça? Ouais, merde, c'était le dernier. Je vais pas avoir le temps. Ah, ça va être les araignées, non? Peut-être manche 11. Ouais, manche 11. Dommage. C'est pas très grave, on va aller améliorer le haymaker. Non, c'est les araignées, c'est cool ça. Bah, du coup, j'ai pas amélioré le haymaker. J'améliorerai deux fois la prochaine fois. Je vais ouvrir ici en attendant. Et je vais. Je vais faire le bouclier. Il me reste plus beaucoup de balles. Faut que je fasse gaffe. C'est la dernière ça? Ouais. Hop. Du coup j'ai pris un truc ici mais je sais pas ce que c'était. Alors le bouclier sur cette pièce là malheureusement. Je sais pas trop où il peut être à part là-bas. Non, je l'ai pas, hein. J'ai pas ramassé. Hein. Ah, il est là. Et hop, il nous manque plus qu'à aller le récupérer là-bas avec la Kuda, là. On le fera tout à l'heure. Oh, les salopes. Tac. Ouais, bah, du coup, bah, je vais repasser une manche et puis on fera le. Quel est ce bruit? C'est quoi ce bruit? Bon, pas très grave. Hop. Ah! Alors prochainement, je me suis commandé une nouvelle chose qui arrivera en unboxing. Quelque chose de tout nouveau. Enfin, quelque chose de tout nouveau. En rapport avec la PS4. Oh, nice ça. Pourquoi il se met à courir? Je lui ai jamais tiré dessus. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la compétition, bah, il y aura un unboxing dessus. Est-ce que je vous tease un peu? J'ai déjà fait un unboxing sur le truc. Mais là, c'est une nouvelle. Il y a plein de nouveautés qui sont arrivées dessus. J'ai failli mourir et je suis con, j'ai toujours pas masto. Je suis un autiste un peu. Je suis un autiste, j'ai toujours pas masto. Je viens de m'en rendre compte. Et j'ai toujours pas quick revive aussi. Enfin, peut-être que je prenne des atouts, putain, mais je suis vraiment con. Donc voilà, ça devrait arriver, bah, je pense d'ici 2 semaines parce que. Parce que en fait la commande que j'ai faite bah, remonte à plus d'une semaine maintenant. Et en fait j'ai changé pas mal de choses bah, sur ma commande. Donc, je vous expliquerai tout ça une fois que j'aurai la chose, forcément. Donc voilà. Donc c'est vraiment. Je suis vraiment assez content parce que vu que c'est tout nouveau, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'unboxing français.
Là, vous allez vous dire, putain, c'est juste ça, tu sais. Non, mais pour ceux qui s'intéressent à la compétition, en sachant que j'ai déjà fait un unboxing, donc après, regardez tous mes unboxings et réfléchissez à ce que ça peut être. Mais comment dire? Mais ouais, là, c'est arrivé, bah, il y a genre 2 semaines. Enfin, non, 1 semaine, du coup, parce que j'ai réellement commandé dans l'instant après. Et le problème, c'est qu'ils ont rajouté encore d'autres trucs après. Donc, c'est pour ça que ma commande a pris un peu de retard. Donc, j'espère. J'espère que ça mettra pas trop de temps non plus. Attends. Il me reste un autre truc à faire. Ah oui. Le bouclier de la coude. Enfin, le bouclier de la coude AMDR. Le bouclier là où il y a la coude. Il est là. Hop, voilà. Et pourquoi il y a un monstre qui spawn? Faudrait que je sache comment les monstres spawnent, parce que il y avait que 2 zombies à ma mémoire. Je vois pas pourquoi lui spawn là en fait. Pourquoi il court surtout? Pourquoi il court maintenant? Normalement il court pas, c'est que quand tu commences à lui mettre des balles qu'il se met à courir. Ouais, je sais pas, bizarre. Hop, c'est bon, on a le bouclier, donc ça c'est nice. Hop. Bon, on va vider, je pense que ça va être la le haymaker que je vais... Non, je vais pas améliorer le haymaker en premier, je vais améliorer l'ICR. On va se faire des points pour pouvoir prendre tour de passe-passe. Hop. J'espère que cette petite vidéo, enfin cette petite, non, elle va durer pas longtemps, mais cette vidéo vous plaît. Hop, il y avait des zombies derrière moi. Le bouclier c'est vraiment cheaté, hein, ça c'est un truc de ouf. Hein. Et je vous ferai. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse, putain aussi. Faut que je vous fasse un opening de. Comme j'avais fait la dernière fois. De liquide divinium, parce que j'en ai plein et que bah il faut que je vous en fasse un, parce que j'en avoir au moins 100 là, hein, facilement. Putain, les munitions qui tombent vraiment bien. Il est en haut le tour de passe-passe, je crois. Il est là où j'ai bugué la dernière fois. Voilà, il est là. Le tour de passe-passe, mon atout préféré. Bon, allez, hop. Bon, on est bien. On est bien. Et ouais, du coup, je vous ferai peut-être ça bah, après la vidéo, du coup. Enfin, ça sera pour une prochaine vidéo, mais j'ai peut-être le record juste après. Hop. Ouais, peut-être qu'on aura de la chatte, hein. Peut-être qu'on aura des bons gobble-gum. Vu que j'ai pas... En fait, ça, c'est le truc que... La dernière fois que j'ai fait mon... Pour ceux qui avaient vu le premier épisode des Gobble Gum, là, de l'ouverture des liquides divinium. Depuis cette vidéo-là, je n'ai jamais réouvert, en fait. C'est un peu comme les largages... Enfin, c'est un peu comme les clés de cryptage. Je les fais que en vidéo, ces trucs-là. Et le liquide divinium, bah... En fait, j'y pense jamais à chaque fois. Puis genre, j'en ai pas forcément l'utilité. Et c'est pour ça que bah là, je vais en avoir je sais pas combien, moi. C'est assez abusé. Je regarderai après la vidéo. Je sais pas si ça peut être affiché, non. Ça, alors ça c'est un truc que Treyarch, je n'ai pas pensé, mais qui serait pas mal. Parce que moi j'essaie de faire tous mes défis de cartes d'agent et en zombie, je les ai presque toutes. Et ça serait bien que si on faisait start, bah on puisse voir les défis qui nous restent. Parce que vous savez, il y a genre tuer 500 zombies avec coup de tonnerre ou truc comme ça. Et c'est vrai qu'à part prendre des screenshots, enfin moi je les prends en photo avec mon portable. Pour me souvenir quel défi j'ai en cours, tout ça. Mais ça serait bien qu'on puisse faire start et voir les défis qu'il nous reste à faire. Je vérifie quand même au cas où si genre... si genre c'est pas marqué, mais normalement non. Attends, est-ce que ça serait pas le dernier zombie ça? Non, j'en entends un deuxième. Normalement c'est pas le dernier. Bon, allez, on va aller améliorer l'ICR. Putain, j'ai que 5000 points. J'ai que 5000 points. Moi j'aime bien améliorer deux fois d'un coup. Surtout que là je suis bien, mais après j'ai manqué de munitions donc bon. Hop. Let's go.
Qu'est-ce qu'ils vont enlever? Je trouve littéralement dégueulasse hein, bah alors là, bon, pareil, bug de texture, le temps que le truc ça charge, tout ça. Mais je trouve pas très beau le camouflage. Enfin. Y a un petit style qui va bien avec la map. Ça, c'est vrai, y'a rien à dire là-dessus, mais. Ouais, je sais pas. Non, c'est vrai qu'il est beau quand même, mais bon. Ça va bien avec la map, quoi. Genre, je verrais pas trop ça en multi. Même si ça se trouve, je serais content de tomber dessus. Parce que peut-être qu'ils vont le mettre en multi, comme le camouflage qui est de. Je crois, c'est la map. Je sais plus comment ça s'appelle. Shadow of Evil. Ah, là, c'est carrément mieux. Hop. Hop, voilà. Bon là pour l'instant je tourne pas, hein. y a pas réellement besoin, enfin ça va, ça vient quoi. Oh, nice, batteuse. Ouh putain c'était tendu le petit passage que j'ai pris là. Ah bah on arrive. Le bouclier ça sauve, hein, parce que là ils m'ont foutu je sais pas combien de baffes dans le dos, si j'avais pas eu le bouclier, bah je serais mort quoi, en fait. Donc réellement... c'est vraiment indispensable quoi. Du coup j'ai assez, je vais améliorer après. Hop. Oh c'est des araignées. from limb. Je sais pas si vous avez entendu le perso mon gars, mais le mec il se tape des barres. Le mec il a dit la même phrase pendant 35 ans. And Dempsey squished it. The end. The end. Hop. 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 Max ammo. Hop. Max ammo. That's my favorite kind. Hop. I'm confused. I think I like where this is going. Firework, feu d'artifice. Ça le fait. C'est vrai que c'est plutôt cheaté ça. Et c'est vrai que les bonus sur les armes sont ultra cheatés quand même. Genre t'as un gros stock de zombies, tu tires deux balles et ça te les bousille tous. Hop, hop. Faut que je regarde aussi mon bouclier. Faut que je fasse gaffe parce que je me suis pris pas mal de coups. On va commencer à tourner quand même, manche 16. Histoire de pas trop gaspiller de munitions. C'est tellement cheaté, putain le truc en plus ça les bute super loin. On va utiliser le haymaker pour que je puisse l'améliorer à son tour. Je vais faire des tours en fait plutôt, je vais faire des tours. Hop. 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 T'es mec qui me casse les couilles. Tac. En fait j'ai jamais utilisé mon bonus de thune là que j'ai à droite là. C'est un truc qui me permet d'avoir plus de mun là. Non, mon bouclier il va plus avoir de vie, c'est pas possible. Hop. Hop. Du coup on va l'utiliser maintenant. Ah bah c'était le dernier zombie. Bon c'est pas grave, ça dure assez longtemps normalement. Alors, là, le perso qu'on... Je sais plus qui reste comme perso. DMC peut-être. Dans le mode zombie. Je sais pas ce que ça pourrait être comme map. Je sais pas trop à quoi pourrait ressembler la prochaine map. Et je suis pressé de voir. Là, ça fait genre un bon mois qu'elle est sortie celle-ci, voire plus. Non, peut-être un mois quand même. Donc hop. Hop. On va faire des munitions avec ça aussi.
Oh, pff, abusé. Bah alors. Ça l'a buté jusqu'à là, quoi. Daddy needs a new firearm. On profite bien du x2. Hop, et voilà. Kaboom. Est-ce que genre je peux aller recharger mon pied? Non, tant qu'il est pas pété, je crois que je peux pas en utiliser un œuf. Ouais, voilà. Et là, je pense qu'il va bientôt être pété quand même. Ouais, en fait, le bruit, c'est les monstres. On va le défoncer dès le début. Voilà. Hop, voilà. Oh, c'était charpenté, je crois. Y'a pas de problème. Bon, on va essayer de battre la manche 37. Ça fait 30 minutes de vidéo là. Je crois manche 18, c'est ce que j'avais fait à ma première vidéo sur la map. Je me suis mis dans la merde. Ah, j'ai plus de balles. J'ai plus beaucoup de balles. Vas-y, passe dans la fumée. Ah, j'ai pas ouvert ici. Tac. On va essayer de battre manche 37 quand même, ça serait cool. Oh, je l'ai pas tué. Putain, il en reste combien? Ah ouais, je suis con, j'avais encore ce bonus là. Parce que ça vient dans mon dos, après je vais mourir parce que je me serais fait TP. Okay. J'ai une bonne ligne droite pour tous bien les aligner tranquillement là. Oh, munitions max, c'est cool ça. Voilà. Enfin, je vais faire exprès de laisser un zombie qui me touche dans le dos pour péter mon bouclier parce qu'il doit pas être loin de la mort là. Ah merde. Vas-y, il est où? Il reste un zombie, je l'entends. Où es-tu? Ouais, de toute façon, ça sert à rien que j'ai de ma thune. De toute façon, j'en aurai pas besoin après, sauf si je meurs. Autant aller améliorer d'ailleurs direct. Autant être mieux amélioré. Et voilà. Hop. Et bim! Let's go! Il est 3h là, actuellement. Demain, je travaille. Et je m'en bats les couilles. Ouais, allez, c'est pas mal. Alors, il est où? Vas-y, tape-moi. Vas-y. Voilà. Bon, tu vas me suivre maintenant. Tu es ma merde. Mec. Tu es mon esclave. Hop. Voilà, comme ça on reprend un bouclier neuf. Hop. J'ai même pas fait le crâne. Et je vous cache pas que je sais même pas comment on fait pour faire le crâne. Enfin, le crâne, pour le truc qui... C'est ultra cheaté en plus ce machin là. Enfin, je sais qu'il y a des crânes là-bas qu'il faut aller emmener à différents endroits de la... Mais je m'en bats les couilles en fait, genre, très clairement. Pour ça que je le fais pas en fait. Genre, je faisais les arcs sur des raisons de rares, mais là j'ai vraiment pas envie de le faire. Puis je trouve avec tous ces trucs un peu cheatés, on perd l'aspect de base du zombie. Après, c'est bien parce que le mode zombie, quand même, je trouve que c'est le mode qui sait se renouveler et qui déçoit pas trop les gens. Enfin, en général, je trouve quand même que le mode zombie, en tout cas de Treyarch, est plutôt apprécié par les joueurs. Il n'y a jamais eu. Après, c'est mon ressenti, peut-être que c'est pas le vôtre, mais il n'y a jamais eu trop de gens qui disaient putain, le mode zombie il est nul, etc. Genre, si Black Ops 2 pour beaucoup de monde, ils l'ont vraiment kiffé.
Et je trouve ça bien. Enfin, que il y ait au moins un mode que Call of Duty s'est assuré, quoi. C'est le mode zombie. Bon, après, on verra bien celui d'Infinite Warfare. Hein. Moi, j'avais trouvé celui de comment? J'avais trouvé celui de Advanced Warfare bien. C'était pas ce que je préférais, mais je l'avais trouvé bien. Voilà. Après, je sais que des gens ne l'ont pas aimé, ce qui est relativement normal, mais moi je l'avais trouvé bien. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Oh, nice. Bonjour. Voilà, c'est tellement cheaté ce truc. Genre dans les codes du jeu, le bordel il doit être à 1000, 1000 dégâts. Il doit y avoir écrit God. Genre dégâts God. Et donc là il me tarde de voir le mode bah, d'Infinite Warfare simplement. J'espère, parce qu'ils l'ont dit en mode zombie, en plus ils se sont vantés en disant que. Ça j'aime pas trop ça, les gens qui se vantent comme ça là. Ils se sont vantés en disant qu'ils allaient créer un mode zombie sans égal, genre du jamais vu, etc. Limite ça va être le meilleur mode zombie qu'on a jamais vu. Nous. Voilà. Je sais pas, peut-être qu'il sera bien, hein. Je leur souhaite quand même, parce que bon, voilà. Mais après, peut-être la force du mode zombie, c'est peut-être qu'il ne revient pas tous les ans. Vous voyez? On a tendance à moins se lasser. Là, maintenant, avec bah, Treyarch, Sledgehammer Game et du coup Infinity War, on va se retrouver avec un mode zombie tous les ans. Donc je pense déjà que ça va jouer sur le mode zombie. Ça, c'est clair et net que le mode zombie de Treyarch, bah, de toute manière, sera toujours le plus attendu. Mais c'est clair et net que bah ça va créer une espèce de peut-être pas une frustration mais le fait de se dire ouais bah c'est un mode zombie on a déjà eu l'un l'année dernière celui-là il sera pas forcément unique je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ça sera encore un mode zombie ce sera pas quelque chose qui aura été créé enfin je sais pas comment dire bref donc j'en revenais à les double jumps parce que ça a été apparemment confirmé par certains joueurs pro, comme j'avais dit dans ma vidéo sur Infinite Warfare, qu'il y aurait des double jumps sur le jeu. Donc est-ce qu'on aura le droit aussi à des double jumps en mode zombie? Telle est la question. Telle est la question. Je n'espère pas. Après, je vois pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire comme mode zombie parce que l'histoire avec Atlas Corporation, tout ça, du mode zombie de Sledgehammer Game était bien. Enfin, j'avais trouvé l'histoire assez pertinente quand même. Après, j'imagine que ça va peut-être être dans le même style. Enfin, s'ils veulent partir sur. Après, je sais pas. Mais peut-être que ça pourrait être dans le même style. Genre peut-être vu qu'on a vu un peu la tête des méchants tout ça peut-être un virus qui transformerait tout le monde en zombie. Je sais pas si vous avez fait la campagne zombie pour ceux qui ont fini la campagne. Enfin je crois que depuis une mise à jour t'as plus besoin de finir la campagne enfin t'as pas besoin tout court de finir la campagne, t'as direct accès au mode cauchemar je crois que ça s'appelle. Déjà la campagne c'est un supplice, hein. C'est la pire campagne que j'ai jamais faite d'un Call of Duty. Pourtant genre je les ai toutes faites, enfin tous les Call of Duty que j'ai joué, j'ai fait toutes les campagnes. Mais celle de Black Ops 3, c'est un supplice. Hein. Pour la finir, c'est réellement faut du courage quoi. C'est, tu te dis putain, je finis cette merde. Vraiment, genre on s'était forcé avec un pote à la faire, mais c'était ignoble. Et la campagne cauchemar, alors c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu flippant. Ça c'est vrai. Et ils ont réussi à faire un petit côté qui fait genre un peu flipper. C'est cool. Mais ça donne pas plus envie que ça en fait de découvrir. Ok, là je suis dans la merde. Oh nice. C'est pour ça que le Haymaker il faut à tout prix genre soit le Breccia soit le Haymaker. Hein. Parce que bon, ça vous sauve quoi. Putain, encore un monstre qui spawn quoi. Hey, I ain't no pushover.
Je vais pas trop m'aventurer là-dedans parce que je sais que je vais mourir après. Hop. Vas-y, fais-moi tousser un bon coup. Ça, c'est trop chiant, quoi. Sans déconner. Vas-y, tu vas mourir, toi. Oh. Voilà. Oh, Max, c'est cool ça. On va peut-être aller reprendre un petit bubble gum là, histoire de voir sur quoi on peut tomber. Genre si on peut prendre un deuxième atout, un truc comme ça. On va peut-être fermer les bubble gum, allons-y. Ah, voyons voir. Oh, bah nice, bah voilà. Putain, mais et moi, il faut que je dise plus souvent, genre j'espère qu'on va tomber. Parce que la dernière fois, j'ai fait j'espère qu'on va tomber sur un petit maker, je tombe dessus. Là, je fais j'espère qu'on va tomber genre sur l'atout 5 là, enfin un cinquième atout. Je tombe dessus. C'est royal. Genre ça fait extrêmement plaisir. J'ai une chatte, frère. La prochaine fois que je fais un case opening sur CH, je fais j'espère qu'on va tomber sur... C'est pas avec plus de certitude, tu vois. Genre c'est j'espère qu'on va tomber sur un couteau. Et puis là, gros, couteau. Et là, c'est la chatte. C'est la chatte, gros, abusée. Hop, du coup, on va acheter courir vite. Et voilà. This will warm me up. Not that it's cold on this damn island. Hop, c'était le dernier. Ah. Je vais en faire un quand même pour voir ce qu'on peut tomber avoir. J'espère que t'es mec, bah non, je sais pas ce que j'ai mis comme bubblegum copier. Oh, c'est cool. Et on va buter ça d'ailleurs. Voilà. Et où était la boîte? Elle était en haut. J'ai essayé d'aller en faire pour avoir les singes. Ce serait bien. Ce serait bien d'avoir les singes. Donc on va voir si on peut tomber. On va faire un petit j'espère avoir les singes. Et normalement ça va normalement marcher. Alors. J'espère avoir les singes. Oh, bah ça peut pas marcher à tous les coups apparemment. J'avais peut-être pas assez de conviction quand je l'ai dit. On va le refaire. Hop, c'est bon ça. J'espère avoir les singes. T'es le mec gros. Allez, Vesper, ça pue la merde. T'sais, on dirait genre, je sais plus quand. C'est dans Harry Potter, genre. Feu de travers. C'est ce qu'il avait dit. J'espère avoir les singes. C'est un peu la même chose. Fait le travers, c'est le mec fait le travers. Voilà. Le mec refait des portes, mange 24. Il a que ça à foutre. Hop, toi tu dailles. On va prendre le haymaker pour tourner. Et puis ensuite, on se fera un petit tas. Mais c'est chiant cette fumée là. Sans déconner. Ça dégage. Les araignées, ça c'est aussi un truc relou. Est-ce que sur Black Ops 1 il y avait des chiens en même temps que les zombies? Non, dans World at War non plus. Alors pourquoi vous nous mettez des araignées en même temps que les zombies? Putain. Bordel de merde. Come at me, Swampy. I'm ready for you. Looking for a broken face. Hop, ok, grenade fail. Oh non, en fait elle m'a fait masse dégâts. J'ai l'impression que j'ai un bug de grenade et j'ai l'impression de toutes les envoyer et il y en a toujours une dernière qui arrive. Pas trop compris. Oh yeah, let's piss it off more. I'm sure that'll help. Don't wanna piss me off. Faudrait que je regarde la prochaine fois que je balance mes 4 grenades. Si genre j'ai pas un bug qui m'en donne une 5ème. Non, j'ai vraiment l'impression à chaque fois. Là, ça fait 2 fois déjà. Hop. Hop. On est bien là, on a 5 atouts, on est vraiment bien. Hop. Hop. Tranquille, tranquille, y'a pas de problème, y'a pas de problème, tu vas faire quoi? Hop, en plus on a pas mal de munitions et tout. Je crois que mon bouclier par contre il arrive à la fin de sa vie. Putain, j'étais en train de chercher le... Oh!
Oh, mon bouclier m'a sauvé la vie. J'ai entendu un petit bruit de zombies qui tapaient dessus. Hop, oh les mitrailleuses. Hop. Bon, on les prend, hein, s'il va rester 3 zombies, tu sais. Vas-y, tape-moi sur le bouclier. Casse-le. Voilà, vous allez le casser. Allez, pétez-le là. Voilà. Putain, sans déconner, j'ai attendu 300 milliards de temps là pour qu'il me le pète. En fait, il a pas mal de vie. Hein. Il a pas mal de vie. Bon, on va s'en reprendre un et on va racheter des munitions. Ah bah d'accord. Hop, voilà. Hop. On y mange 25, ça a sûrement été les araignées, pas besoin de prendre des munitions. Pas besoin de gaspiller son argent, vous voyez. Dans une manche, c'est les araignées, tranquille. Par contre, on va attendre qu'il y ait un petit tas. Ce serait préférable. Hop. Là, j'ai fait de la merde. Je sais pas pourquoi je suis allé là. Et bim! Qu'est-ce que tu vas faire? Non, là j'avais bien deux grenades et ça m'a envoyé les deux. Bon, il est où le tac que j'avais fait? Mais en fait, je suis allé trop vite. Oh. Tranquille. Colate, oui. Triple, oui. Magnifique. Oh my god! Oh my god! Ce mec. En fait, il en reste encore plein là. Oh! Je vous pisse dessus, moi. Voilà, charpentier. Ok, nice. On va se rapprocher de l'ICR parce qu'au cas où c'est pas les araignées. Ça sent pas les araignées là. C'est pas les araignées, fais chier. Non, je vais racheter des mines parce que sinon je vais dans la main. Putain, non, ça devrait être les araignées là. Oh. C'est quoi ce bordel? Hop. Et là manche 150. La vidéo elle dure 12 heures. Alors je rigole. Bah là je ferai un condensé par contre, hein. Sans déconner. Ah c'est vrai qu'en fait je fais des manches plutôt assez faibles. Genre 40 quoi, voilà quoi. C'est pas ouf. Enfin, pour moi c'est super bien. Et après pour des mecs qui font tout ça toute la journée, c'est de la merde. Donc je peux me permettre de pas forcément faire un condensé. Par contre le mec qui fait genre manche 150, il a pas le droit de upload ça sur YouTube quoi. Il est obligé de... Enfin il a pas le droit, tu sais. Les mecs qui se mettent les 12 heures de vidéo, il a vraiment que ça à foutre quoi. Genre il est obligé de mettre genre les deux dernières manches parce que chaque manche font, tu sais, 20 minutes le bordel, tu sais. Voire plus. Ça, en plus c'est ignoble. Franchement moi j'aurais jamais le courage de faire manche 150 sans déconner. Les manches ça dure 20 ans. C'est abusé. T'es là, tu tournes, t'attends une vague de zombies. Tu la butes, t'as une deuxième vague qui arrive, et voilà, c'est ça, ainsi de suite, c'est ignoble. Genre, t'en as au moins 10 comme ça, tu sais. C'est vraiment c'est ignoble. Enfin, moi, j'aurais vraiment pas le courage, genre, j'aurais déjà racheté le jeu, franchement. Ça ferait tellement chier. Après, quand t'essaies de battre un record, c'est cool, tu vois, mais. Voilà quoi, c'est tellement long. Genre, limite, t'en es à pisser dans des bouteilles. Gros cliché. Ah, vous voyez, là, j'ai eu un lag. Mais ça m'a pas TP de ouf. Là j'en ai eu un autre. Ou alors c'était peut-être la vis auto qui m'a fait décaler sur le côté. Je sais pas, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. Et là j'ai eu deux petits bugs deux fois de suite là. Mais c'était pas, c'est pas ça hein, que j'ai eu la dernière fois. Hein. Je vous dis direct. C'était deux fois pire. Enfin trois fois pire.
Hop, on va lancer quelques grenades. Hop. Bon, c'est la fin de la manche là. Normalement l'autre allait gagner là parce que c'est les araignées. Putain, on est bien là, on a bien de la thune. 20 000 points, tranquille. Nice, araignée. Ok, bon, on est bien. On est bien. 50 minutes de vidéo, je vais mettre à peu près 12 heures à l'upload. Y'a pas de problème. J'ai peut-être aller changer fait d'artifice parce que c'est marrant, mais bon. Peut-être aller mettre genre un truc qui. Flambeur ou je sais plus quoi là. Ce serait peut-être mieux. Je me le permets vu tous mes points. On va voir ce qu'il y a dessus. Voilà, bah voilà. Putain, j'ai dit flambeur et voilà. Oh là 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 là. Bon, on va retenter les boîtes parce que concrètement, c'est la folie. Hein. Je crois que ça marche deux fois de suite mon truc. Allez, plus que dimanche et j'aurais battu mon record en vidéo. Hop. Est-ce que je fais le malin en tentant une boîte en début de manche comme ça? Bon allez, fais le malin. Non, je le fais pas. J'ai trop peur. Est-ce que là ils peuvent monter? Oui. C'est dommage ça. Ce serait bien qu'ils puissent pas monter comme ça. Franchement. Entre nous. Faut pas que j'oublie mon petit bonus aussi. Non, je crois que c'était moi tout à l'heure hein, qui croyait que j'avais un truc avec les grenades. Je sais pas ce qu'il faut que je mette sur le Haymaker pour que ça soit mieux. Retour de flamme, pareil. Faudrait que je regarde. Enfin, faudrait que je regarde. On va peut-être essayer d'avoir retour de flamme sur les deux. Je crois que c'est le truc le plus cheaté quand même. Il suffit, toi. Non. C'est chiant, ça, sans déconner. Franchement, alors, pour la prochaine map, j'irai bien. Mais en fait, je sais plus comment il s'appelle le perso et je connais même pas son histoire en fait. Parce que là, on est sur Zetsubou no Shima parce que c'est la map de Takeo. Sur Dead Reasons Rare, c'était l'américain. Ouais, je vois pas, ça a pas trop de rapport, Dead Reasons Rare et l'américain du coup. Parce que le château, je crois, il est en Russie. Ah, du coup, c'était peut-être pas un château c'était peut-être pas un château nazi en fait, Dead Reasons Rare. De toute façon, ça fait bien longtemps que Call of Duty ne propose plus de logo nazi sur leur jeu. Alors, je trouve ça dommage parce que concrètement, ça c'est vrai que. Alors, je crois que c'était. Comment il s'appelle? C'était. Kenshin977 qui avait fait une vidéo là-dessus. Je crois que c'était peut-être Activision qui leur avait fait une remarque sur sa chaîne. Parce que c'était sa photo de profil, c'était un zombie, je crois bien. Et il y avait bah, sur l'épaule, il y avait un logo nazi. Et le pire, c'était que cette photo-là venait de leur propre jeu en fait. Et c'est vrai que Call of Duty, bah, pour peut-être des soucis d'image et de jeunesse sur le jeu, ont enlevé tout ce qui était logo nazi, par exemple. Bah, sur avant dans le mode zombie on avait Kino où c'était bah on avait des grandes banderoles nazies tout ça et c'est vrai que maintenant genre c'est tabou, enfin je vois pas pourquoi en fait, enfin on le sait tous hein, genre concrètement voilà, mais je sais plus quelle map était concernée où normalement bah il y aurait dû avoir bah, tout ça des trucs nazis, peut-être des Reasons Rare justement en fait, peut-être que c'était un château nazi et que bah, ils ont rien mis de tout ça, pourtant on le sait qu'on bute des zombies nazis à la base. Mais c'est vrai que. Ouais, bah. Je sais pas, enfin. Ça fait partie de l'histoire maintenant, les nazis, donc bon. Si vous voulez en mettre dans les jeux. Parce que à la base, c'est ça quand même, c'est les zombies nazis. Enfin, à la base. Non, je suis même pas sûr que ce soit les zombies nazis sur. Sur World at War. C'est les zombies tout court. Mais. Du coup, genre. Je peux pas faire de prédiction pour la prochaine map. Parce que. Bah, je sais pas trop ce qu'ils vont faire, en fait. Enfin,
En rapport avec le perso sûrement, mais... Voilà quoi, genre... Ah oui, non, c'était peut-être sur The Giant. Voilà, c'était Giant, parce que Giant, on sait très bien que... c'est une base nazie, parce que c'était, ça concernait Richthofen, etc. Et non, il n'y avait rien de tout ça en fait. Bon, alors après, c'est pas forcément grave, moi je m'en branle. Mais bon, après, enfin, faut savoir assumer en fait, enfin, faut savoir assumer ses idées quoi. Donc, juste ça, je trouve un peu dommage. Mais genre, je verrais bien. Après, Alcatraz, tu vois, ça a déjà été fait. Mais franchement, c'était grave cool. Enfin, l'idée d'Alcatraz, moi, c'est un truc qui me passionne. J'ai eu pas mal de documentaires et tout ça sur Alcatraz. C'est quand même, bah, prison mythique, quoi, je veux dire. Tu vois, apparemment, il y a des choses paranormales et tout. Enfin, tu vois, des trucs bien croustillants comme ça. Pas mal de chasseurs de fantômes qui sont allés. Bon, personnellement, je crois pas en fantômes. Mais... Il y a une époque, enfin, il y a une époque, j'ai genre 2-3 mois, je regardais pas mal de vidéos de GusDX pour ceux qui connaissent. Et je me pourris à ça toute la journée. C'est vrai que ça te fait réfléchir certaines choses, mais après, bon. Voilà quoi. Après, le truc, c'est que quand tu commences à rentrer dans des choses comme ça, et moi, c'est ce qui m'était arrivé. Quand tu commences à rentrer comme ça dans tes délires un peu fantomatiques, tout ça, bah, t'en sors plus en fait. Enfin, genre, ta vie, elle est rêvée là-dessus. Genre, tu. J'avais passé genre une semaine, deux semaines à penser que à ça, que à ça, que à ça. À me dire putain, est-ce que ça existe et tout. Au final, après, tu vis plus quoi. Tu dis putain. Voilà quoi. Moi, je préfère vivre en me disant, il y a les trucs étranges sur Terre, et puis bah, les couilles quoi. Je verrai ce qui arrivera. Si ça m'arrive, très bien, ça m'arrive pas, je m'en fous quoi. C'est un peu comme tout. Et donc c'est vrai qu'Alcatraz, le fait qu'on puisse transformer en fantôme, tout ça, pour récupérer son corps, c'était grave scié. Et en fait, il y a pas mal de choses à faire. Par rapport, enfin, niveau jeu sur cette prison, il y a pas mal de choses à faire. Après non, je vois, enfin, à part, mais ça a déjà été fait, donc c'est sûr à 100% que ça se fera pas. Je vois pas ce qu'ils ont en tête pour la prochaine map. Mais ouais, je sais pas en fait trop ce que j'attends comme map. Je vais essayer de trouver tout au long de la vidéo. Ok, nice ça. Truc qui arrive au bon moment. Oh non. Non, dommage. Voilà, c'est sûrement la fin, t'es mec. Non mais je vais pouvoir me refaire tranquille. Faut juste que... On va buter celui-là, on va buter celui-là. Thanks for not letting me die again. Hop, le bouton. Voilà. Ah mais ça sert à rien. Attends que je prenne tir rapide. Ça te fait un espèce de FOV ignoble ça, franchement. Je suis mort, c'est pas bien grave. Mais c'est peut-être la fin. Quand tu commences à mourir comme ça, bon là je peux me refaire tranquille parce que c'est la fin de la manche. Voilà. J'ai l'impression d'être tellement long. Oh putain, en fait il y en a encore plein des zombies là. Faut que je fasse gaffe à pas tuer le dernier. Ça va arriver derrière, je le sens. Ça fait tellement flipper cet endroit un peu. Oh non, mais il y a un boss quoi. Ah, les sentiers rapides, vous avez vu comment ça... On perd en dégâts, hein, c'est abusé. Hein. C'est vraiment hallucinant. Oh, c'est la fin. Oh non, je suis mort. Bon bah voilà, manche 29, on est mort, on a mouru. Bon, on n'aura pas battu le record, c'est dommage. C'est dommage, parce que j'étais bien parti. Je suis un petit peu déçu. Mais du coup, la vidéo aura duré moins longtemps que prévu. C'est pas mal, une heure de zombies comme ça, c'est pas mal. Non, c'est vrai que je vois pas trop ce qu'il pourrait nous faire. Parce qu'il faut toujours rester dans cette époque... pas moderne finalement parce qu'on n'est pas au 21e siècle à l'époque où ça se passe. Je voulais dire genre un aéroport désinfecté, des trucs comme ça, tu vois, mais c'est pas possible. Donc non, à voir. Peut-être une ville, hein. Ça, voilà, genre une ville. À l'image un peu de Black Ops 2, ce serait sympa. Après, pas avec de la lave, s'il vous plaît, parce que ça serait dommage. Du coup. Ah oui, non, j'avais fait 33 sur Zetsubou no Shima. Ah oui, j'avais fait que 33, je croyais c'était... Ah oui, c'est The Giant que j'avais fait 37. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ouais, les Razendra, j'ai pas du tout joué. C'était vraiment une map que j'aimais pas. Shadow of Evil, c'est une map vraiment très très belle. Mais... Pff, le pack-a-punch est vraiment chiant à faire, quoi. Enfin, je vais le faire en début et...
C'est simple, mais c'est chiant. C'est tellement long. Et ça, c'est ça que j'aime pas en fait, c'est les trucs longs. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le like et le commentaire. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour sûrement les Gobblegum. Voilà, j'en ai 108. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour les Gobblegum, le liquide Tivinium. Donc sur ce, portez-vous bien. Salut tout le monde.